toutes ces têtes qui se tournent comme pour vous voir, tous ces yeux qui vous regardent. Cette curieuse impression de déranger la société du siècle des Lumières. Gens des arts et des lettres, familles royales, financiers ou hommes du clergé. Maurice Quentin de la Tour, le prince des pastellistes, profita de ses multiples relations. Un homme en quête insatiable de perfection, animé par ce souci constant de vérité, de précision, capable de figurer la délicatesse d'une étoffe de velours, la finesse soyeuse d'un foulard, de dessiner la fourrure avec une telle précision qu'on en pourrait compter les poils. Ici, la lumière se reflète sur l'acier poli de la cuirasse. Là, le rendu de la transparence d'un verre, la fumée s'échappant d'une bougie éteinte. Dépeindre la finesse, l'élégance et la frivolité de la société du XVIIIe ne lui suffit pas. Enfin psychologue, il descend au plus profond de ses modèles. Ce qui fait l'expression d'un visage, à savoir les yeux, le nez et la bouche, est au centre de ses préoccupations. Se hissant à la hauteur des conversations des cercles et des salons, il rencontre alors l'ironie du regard de D'Alembert, l'inquiétude et la mélancolie de Rousseau, le port de tête autoritaire et l'intensité des yeux bleus du comte de Saxe. Dans l'intimité des loges des artistes, il capte le regard mélancolique de Mademoiselle Fell, saisit le sourire sympathique de Mondonville ou de Manelli. D'autres fois, c'est la prétention et la suffisance qu'il représente par une grande finesse d'exécution, malgré le peu d'empathie affichée pour son modèle. Quel précieux témoignage de la brillante société du XVIIIe siècle, fixée avec virtuosité par la poudre du pastel.